هذا البرنامج بالتعاون مع دروسكم، منصة التعليم الإلكتروني. بونجور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ حاج سفيان على منصة دروسكم بتعاون مع قناة فور كيدز يحييكم. aujourd'hui mes chers élèves سنوات الرابعة متوسط on va apprendre c'est quoi le subjonctif présent. Je répète, c'est quoi le subjonctif présent? Bien sûr, nous allons répondre à trois questions que vous avez déjà posées sur nos différentes plateformes. Première question est là, qu'est-ce que le subjonctif présent? On va définir le subjonctif présent avec, bien sûr, sa valeur. C'est quoi le subjonctif présent, mes chers élèves? Et quand l'utilise-t-on? Quand est-ce qu'on l'utilise? Très bien. Deux, question 2, comment conjuguer les verbes réguliers et irréguliers au subjonctif présent? La manière, on va apprendre les verbes réguliers montavama, la fa'al ghayr montavama, le subjonctif présent. 3, quand employer aussi le subjonctif? Quand est-ce que j'utilise aussi le subjonctif? Dans quel cas? Voilà les trois questions. Commençons par la première. Qu'est-ce que le subjonctif présent? Mahoua, le subjonctif présent. Et quand l'utilise-t-on? Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, le subjonctif est une action incertaine. Il exprime une action incertaine. Je répète, que veut dire une action incertaine? Cela veut dire hadaf ghayr akid, incertain, incertaine. Voilà. Qui n'est pas encore réalisé, limazal mahdathch, limazal masrach. Donc, qui n'est pas encore réalisé, réalisé. On l'utilise pour exprimer, premièrement, un souhait, c'est tamanni, l'ordre et l'obligation, un ordre c'est l'amr, l'obligation c'est ilzam, le conseil, nasiha, le doute, ashak, sur tout ça, les sentiments, mashaar ou bien hassis, comme le regret, ta'assuf, la crainte et la peur, al-khawf. Donc voilà les valeurs du subjonctif. Exemple pour le souhait, j'aimerais que tu réussisses au BUM. Regardez, voilà le subjonctif présent ici avec une terminaison très claire. I de S, c'est un verbe de deuxième groupe. ES, terminaison de présent de l'indicatif. On verra quelles sont les terminaisons, différentes terminaisons du subjonctif présent. L'ordre, l'amr, elle ordonne, amarat, que nous fassions nos devoirs. Amarat, bachandiru. Que nous fassions nos devoirs. Voilà le subjonctif aussi. Ordonne veut dire exige, talabat. Conseil, pour donner un conseil, qadmobi, nasiha aussi. Alors, il faudrait que vous appliquiez beaucoup d'exercices. Il faudrait que vous appliquiez, istawjib alaykum, diru, beaucoup d'exercices, yani tamarin bzaf, aida tamarin. Et on va vers quatrième valeur, le doute. C'est quoi le doute? C'est chèque. Je doute qu'elle puisse manipuler le smartphone. أشك أنها تستطيع استعمال الهاتف. Donc, puisse. Le verbe pouvoir au subjonctif. Ça, c'est le verbe pouvoir. تستطيع, تقدر, voilà. 5. Les sentiments, le regret, la crainte et la peur. Regret, قلنا تأسف الحسرة. Crainte et peur, c'est le خوف. Je regrette que tu aies une mauvaise note. أتأسف أنك تحصلت على نقطة mauvaise note aux examens ou bien à l'examen, bien sûr. Que tu aies, c'est le verbe avoir au subjonctif présent. Aussi, je crains ou bien j'ai peur. Je crains que tu aies, j'ai peur que tu aies. Donc ici, خايف ما تديش مليح, si on peut dire أنك تنال نقطة مش مليحة. Alors, je vais dire, Inch'Allah, كامل تحصلوا على نقاط مليح, mes chers élèves. Alors, question numéro 2, c'est le comment. Comment je vais avoir bien la forme finale de ce subjonctif présent? Shakl, tu as le subjonctif. Comment je dois le reconnaître? Et que, les verbes irréguliers et irréguliers, comment je reconnais cette différence entre ces deux verbes? Les verbes du premier, deuxième et troisième groupe prennent les mêmes terminaisons. Voilà l'avantage, c'est que tous les verbes
du premier, deuxième, troisième, ils ont la même terminaison au subjonctif présent. Je reprends. Le E, ES, E, I, O, N, S, I, E, Z, E, N, T, comme vous voyez, c'est presque la terminaison du présent de l'indicatif. Seule différence, c'est le I ici avec le NO, deuxième personne du pluriel, pardon, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel qui est le vous. Donc, I et I avec le I, O, N, S et le I avec le EZ, le vous. Alors, exception, sauf être et avoir qui ne vont pas prendre cette terminaison. Être et avoir, ils ne vont pas prendre cette ou bien ces terminaisons-là. Pour être et avoir, que, regardez, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Comme vous voyez, ce ne sont pas les mêmes terminaisons. S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Pour avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Maintenant, les verbes du premier groupe, ER. Regardez, que j'écoute, que tu écoutes, qu'il écoute, que nous écoutions, que vous écoutiez, qu'ils écoutent. Pour finir, un verbe de deuxième groupe, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Pour faire un autre verbe irrégulier, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, ENT. Pouvoir, ça change carrément de radical, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, ENT. Regardez, mes chers élèves, c'est la même terminaison avec tous les verbes. Et premier groupe, et deuxième groupe, et troisième groupe, sauf être et avoir. Mes chers élèves, c'est très très important d'apprendre être et avoir au subjonctif. Et il faut les apprendre par cœur, je le dis. يجب عليك أن تحفظ هذ les deux auxiliaires. Bien sûr, bien comme il faut. Très très bien. On va vers cet élément maintenant. Le subjonctif présent est formé à partir de quoi? À partir de la première et la troisième personne du pluriel. Kingoulou, la première personne du pluriel, donc c'est nous. Et si je dis la troisième personne du pluriel, c'est il avec S ou bien elle avec S. Du pluriel de l'indicatif présent, c'est-à-dire, je regarde cette terminaison qui est ONS, ça c'est terminaison, et le radical maintenant, je regarde le radical, voilà. Ça c'est première personne, nous buvons, et troisième personne, boive, c'est le verbe boire, yashrab. Alors, c'est à partir de ces deux bases, les deux radicales, jidr, hava, des deux verbes, l'indicatif, le présent de l'indicatif. Je le prends et j'essaye de conjuguer avec tous les pronoms personnels, bien sûr, au subjonctif. Regardez. Boive, regardez où il est. Subjonctif présent avec que. Que je boive, haminjat. J'attends le subjonctif, pardon, le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Troisième, il avec S. Chaufounrahi, c'est que je boive. C'est le même radical. Hein? Boive, boive, boive. Où est-ce que je trouve le deuxième radical? Le nous. Buve, c'est avec nous et avec vous. Je reprends. Que je boive, que tu boives, qu'il boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'il boive. Terminisons toujours la même, ou bien les mêmes. E, E, S, E, I, O, N, S, I, E, Z, E, N, T. Voilà. Deuxième verbe, tenir. Regardez au présent. Présent de l'indicatif. Je tiens, tu tiens, il tient. Nous tenons, vous tenez, ils tiennent. C'est subjonctif. Que je tienne, que tu tiennes, qu'ils tiennent, que nous tenions, que vous teniez, qu'ils tiennent. Pour recevoir, au présent de l'indicatif. Je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons, vous recevez, ils reçoivent.
Alors, terminaison de avec il avec s, c'est pardon, le radical avec il avec s, c'est le même radical au subjonctif présent. Que je reçoive, que tu reçoives, qu'ils reçoivent, que nous recevions, que vous receviez, qu'ils reçoivent. Dernier ou bien avant-dernier verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, ça devient que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. La même chose pour le verbe craindre. Je reprends cette règle. Toujours, je regarde le radical au présent de l'indicatif avec quel pronom ? On chauffe ma le nous ou on chauffe ma le il avec s. Ou هذو كوما لي دو راديكال اللي راح نلقاهم في لو سبجونكتيف بريزون. هذه طريقه سهله خلاص باش ندير لو سبجونكتيف بريزون. مي شير زيلاب essayez d'appliquer cette règle et vous allez réussir la conjugaison du subjonctif. Question numéro 3. Quand employer aussi le subjonctif? Quand est-ce que je peux utiliser le subjonctif ou bien l'employer? Le subjonctif est employé aussi dans les subordonnées circonstancielles. Quelles subordonnées exactement? Celles de but, de temps, de l'opposition et de condition. Quatre subordonnées. Pour savoir avec quelle subordonnée j'utilise dans le temps, la subordonnée de temps, j'utilise avant que, jusqu'à ce que, et en attendant que. Comment j'appelle ces mots? On les appelle les connecteurs logiques qui expriment le temps. Toujours avec ces mots, on utilise un subjonctif. Très bien. Maintenant pour le but. Le but, c'est l'hadaf. J'utilise afin que, pour que, de sorte que, de peur que. Toujours après ces trois connecteurs logiques, j'utilise un subjonctif. Si je trouve واحد من هذو, لازم ندير le subjonctif. 3. De l'opposition. Nous avons bien que, quoique, sans que et malgré que. Ces quatre mots-là, on doit utiliser avec eux le subjonctif. Très bien. Enfin, pour la condition, c'est short. Pourvu que, en admettant que, à condition que, plus aussi subjonctif. Je reprends. Tous ces mots-là, ce sont des subordonnants. À l'âge des subordonnants, parce qu'ils ont le pronom relatif que, comme vous voyez ici. Là où il y a le que, c'est une subordonnée. C'est une subordonnée. Avec ces connecteurs logiques, j'utilise toujours le subjonctif. N'oubliez pas ces mots. Voilà, qu'est-ce que je dois mémoriser? Ces connecteurs logiques et bien sûr, chaque connecteur est ce qu'il exprime, bien sûr. Et voilà, mes chers élèves, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. Le subjonctif présent, c'est quoi? Et comment je conjugue les verbes au subjonctif présent? Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin et à la prochaine séance, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.